Stop saying au revoir. Tout d'abord, c'est démodé et il y a beaucoup d'autres façons pour enrichir votre vocabulaire. Tout d'abord, si on se revoit dans la journée, on peut dire à tout à l'heure ou à toutes. Par exemple, je sors faire une course. À tout à l'heure. Ensuite, on a à tout de suite qu'on utilise si on se revoit très bientôt, quelques minutes après. Par exemple, je vais récupérer la commande qui est en bas. À tout de suite. Ensuite, il y a des façons de dire au revoir si on se revoit bientôt. À demain. Très bon travail aujourd'hui. Bravo et à demain. À la semaine prochaine. J'ai posé mon vendredi, je suis trop content, je pars en week-end. À la semaine prochaine. Ensuite, il y a des possibilités pour dire au revoir si on ne sait pas quand on se revoit. À plus tard ou à plus. C'est écrit avec le plus en langage SMS. C'était super cool. À plus. Ensuite, on a le classique et familier salut. On se tient au courant pour se revoir. Salut. On peut aussi utiliser des mots issus de l'étranger comme ciao, issu de l'italien. Ou bye, issu de l'anglais. Allez, on se voit bientôt. Bye. À la prochaine, qui est assez formel. Profite de tes vacances et à la prochaine. À bientôt, qui est aussi assez formel. Bon, j'ai rendez-vous à 14h avec Monsieur Henri. À bientôt. Ensuite, passe ou passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine. Tout dépend du contexte. Bien sûr, si on dit passe, c'est assez familier, on connaît la personne. Mais si on utilise passé, c'est formel, car on vous voit la personne. Par exemple, merci pour être venu, monsieur. Passez une bonne journée. Au plaisir, qui est aussi formel. Ravi d'avoir fait votre connaissance. Au plaisir. Enfin, il y a des mots qu'on peut utiliser, pas pour remplacer au revoir, mais pour dire qu'on doit y aller. Pour dire qu'on a quelque chose à faire. Je décolle. Bon, je décolle. Je suis en retard pour le rendez-vous. Je file. Bon, je te laisse, faut que je file. Je dois récupérer mon fils à l'école. Je dois y aller. C'était trop cool de te revoir, mais je dois y aller. On se dit à bientôt. J'y vais. Bon, j'y vais, on m'attend. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Fais-moi un exemple en utilisant un de ces mots en commentaire. On se dit à la semaine prochaine. Ciao.